Bienvenue à tous, bienvenue les amis, dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit peu, et bien comme j'ai fait sur Olivier Véran, un petit peu d'inquisition, si on peut dire, employer ce mot. C'est un bien grand mot, hein, mais c'est pas du tout l'idée. J'ai voulu m'intéresser à Brigitte Macron. C'est un test, hein, c'est un deuxième test. C'est aussi vous donner la possibilité de voir comment travailler avec l'oracle du Grand Lenormand. C'est un oracle intéressant, c'est un oracle très complet et qui donne beaucoup d'indications. Alors oui, j'ai déjà fait des tirages sur Brigitte Macron, et on va regarder si finalement des choses se confirment, des choses qui avaient été dites avec les runes. Voyons, on va déjà dans un premier temps voir ce que l'oracle du Grand Lenormand perçoit sur Brigitte Macron, sur sa personnalité. Je sais que beaucoup d'entre vous, et c'est pas quelque chose que j'ai abordé jusqu'à maintenant, la personnalité de cette dame, de cette personne. Je sais ce que vous pensez, mais j'emploie les mots, on va dire, pour rester très officiel, volontairement. Et là, je m'interroge pour savoir quelle carte représente pour l'oracle du Grand Lenormand Brigitte Macron. J'enlève les autres cartes pour avoir plus de place. Et je la retourne et je la découvre avec vous. La dame de pique. Alors le pique, que vous voyez bien, le pique, c'est quand même, dans le jeu de 32 cartes, une des familles les moins sympathiques, si ce n'est la famille la moins sympathique, soyons clairs. Alors, dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, la dame de pique représente quand même une femme assez acariâtre, hein, disons-le clairement. C'est une femme de plus de 40 ans, on le sait bien, Brigitte Macron, elle n'a plus 40 ans depuis longtemps, mais ça nous parle aussi d'une femme empreinte de jalousie, et aussi une femme qui est hypocrite. Ça ne nous donne pas une belle description du caractère de Brigitte Macron. On la voit, c'est vrai, sur certains plateaux. Elle est venue, d'ailleurs, quelques jours après que j'ai fait ce tirage avec les runes, et où certains se sont interrogés, puisque je vous ai annoncé des choses, hein, et qu'ils la trouvaient en forme. N'oubliez pas que je vous ai dit, les runes, c'est ce qui allait se passer. Dans le temps, nous n'y sommes pas. Mais depuis, elle a un petit peu disparu médiatiquement. Ça nous parle d'une Brigitte Macron, oui, acariâtre, hypocrite, qui veut donner une image d'elle, mais une image qui n'est pas la vérité. Il y a de la jalousie aussi là-dessous. Et elle jalouse visiblement des personnes, certaines personnes qui l'entourent. Alors, regardez ensuite l'ensemble floral. L'ensemble floral parle d'acacia, de houx. Mais ça nous parle de dire de rester discret. Et ce qui est intéressant, vous connaissez tous la polémique sur Brigitte Macron, hein, on n'est pas besoin d'y revenir dessus. D'ailleurs, ce n'est pas le sens de la carte. Mais le sens de la carte nous dit qu'elle aurait dû rester discrète. Car des informations dévoilées risquent de se retourner contre elle. Et à trop vouloir donner certaines informations et certaines apparences, eh bien, tout cela est en train de se retourner contre Brigitte Macron et vont se retourner contre elle. Devenir une femme publique, devenir finalement l'épouse du président Macron, se mettre dans la lumière, parce que finalement, c'est vrai que. Alors, je n'emploierai pas le terme de première dame, ça n'existe pas en France, hein. Il n'y a pas de rôle pour la femme du président. Mais devenir, ou plutôt être la femme du président d'une personne qui se met président de la République française, c'est se mettre dans la lumière, c'est devenir une personnalité publique. Et cela, eh bien, c'est quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû faire. En fait, elle aurait dû dissuader
Emmanuel Macron de se porter à la candidat à la présidence. Parce que là, ça la met dans une lumière où finalement des éléments vont être dévoilés sur elle et qui se retournent contre elle. C'est ainsi qu'il faut comprendre la carte et l'avertissement de la carte. La lettre U, elle symbolise la générosité. Effectivement, comment ne pas penser à toute l'argenterie, à toute la vaisselle dépensée généreusement dans la dépense avec des sous des impôts français. C'est dans ce sens-là. Et le grand sujet que vous voyez ici, hein, c'est Isis qui découvre Osiris mort. Osiris que l'on voit ici, que l'on aperçoit ici. Je vous montre la carte de plus près. Osiris, pardon, qui est mort, caché sous un arbre. C'est une carte qui ainsi nous montre une Brigitte Macron qui va être de plus en plus seule, à l'abandon. Et ça, je vous en avais déjà parlé, où on aura un Emmanuel Macron qui bah, la laisserait un petit peu tomber quelque part. Alors, pas dans le sens de divorcer, mais elle serait de moins en moins affectueux avec elle, même en public, vous voyez. C'est vrai que vous me direz, on ne sait pas ce qui se passe dans leur couple, au sein de leur couple. Et ce n'est pas mon propos. Mais on verra un Emmanuel Macron, eh bien, qui en public la délaisserait. C'est dans ce sens-là. Ce qui lui donnerait de plus en plus un sentiment de solitude. Et qui engendrerait chez elle un repli sur elle-même. Presque sous une forme de méditation, de compréhension de ce qu'elle a fait. C'est quand même quelque chose d'assez fort, hein. Cette carte, avec les sujets de droite et de gauche, nous insiste sur le moment de solitude. Et vous voyez ici, regardez le sujet de droite. Regardez bien. On y voit une personne presque alitée. Et que quelqu'un vient réconforter. L'idée d'un médecin. Et la solitude qui est là, à nouveau, ça fait écho à ce tirage avec les runes. Si vous ne vous en souvenez plus, je vous invite à aller le redécouvrir, mais regardez à quel point ça fait écho. Regardez aussi la constellation, la croix du sud, la croix. Vous voyez les mots que j'ai employés dans ce tirage avec les runes. La croix du sud, la croix. La confiance est maintenue dans ce que le tirage avait donné sur les runes. Et l'interprétation globale finalement de cette carte, elle nous dit quoi? Il y a une épreuve à traverser. Et une épreuve qui va être un moment de solitude intense pour Brigitte Macron. Un moment de solitude qui va lui être pénible. Un moment où elle ne va être délaissée. Mise de côté par Emmanuel Macron. Et ça, je l'ai déjà dit sur un tirage avec Emmanuel Macron et je l'ai dit aussi sur un tirage avec Brigitte Macron, celui que j'ai fait avec les runes. Je l'avais intitulé, si j'ai bonne mémoire, Sombre destin pour Brigitte Macron. Je vous invite à le redécouvrir, à vraiment vous imprégner de ce qui avait été dit. Nous retrouvons exactement la même idée et les mêmes épreuves ont été à traverser pour Brigitte Macron. Regardons maintenant comment va évoluer Brigitte Macron. Alors, je ne dis pas sur quelle période, hein, bien sûr, je laisse totale réflexion à l'oracle pour nous l'indiquer. Quelle va être l'évolution de Brigitte Macron? Et puis, ça nous donne aussi des indications, finalement, comment cet oracle des ombres et de lumière perçoit Brigitte Macron et son avenir. Voilà, je saute les autres cartes. Je regarde qu'elles soient correctement cadrées. Et voilà, regardons, retournons. Le temps. Et puis, si vous parlez un tout petit peu anglais, je vous invite à regarder en dessous. Working toward. Le travail, c'est trop dur.
Souvenez-vous de tout ce que je vous ai donné comme information. Une personne qui n'a pas envie de travailler et qui comprend bien que le travail, vous connaissez son âge, vous voyez bien que ce n'est pas quelqu'un qui est encore actif, hein, au niveau de travail. Et puis cette carte, c'est aussi l'ange du temps. Le temps passe pour elle, c'est un avertissement. Il va falloir qu'elle pense à s'économiser. C'est en tout cas le sens du tirage directement. On frappe encore une fois sur ce que il était apparu dans le tirage avec les runes, sur le sombre destin de Brigitte Macron. Le temps est compté. Travailler, c'est trop dur. Avoir des activités, c'est aussi se dire que faire de la présentation à la télé, ce n'est plus ce qu'il faut. Il faut rester tranquille à la maison. Prendre soin d'elle, de sa santé. L'ange du temps est là. Alors, il n'y a rien d'ironique dans ce que je dis, hein. C'est simplement où, effectivement, l'oracle lui conseille de se tourner vers elle-même, de prendre soin d'elle. Ce qui va aller contre l'évolution, la solitude, le fait. Regardez cette carte. Elle vous fait penser à l'ermite qui avance sur son chemin avec cette lanterne. L'ermite, c'est un personnage qui est seul. Cette solitude va vraiment frapper Brigitte Macron de plein fouet. Le conseil, c'est de faire comprendre à la personne que cette personne vous manque. C'est justement le conseil, c'est l'opposé de ce qui va se passer, où elle va être délaissée. Je vous l'ai mis un peu trop, vous la voyez plus dans son entier, dans sa totalité. En fait, le conseil serait que, effectivement, Emmanuel Macron ne délaisse pas Brigitte Macron, mais n'est pas maître de cela. Et regardez ces deux dernières cartes. Il est temps de faire des nettoyages. Il est temps de nettoyer tout cela. Il est temps de peut-être nettoyer, de dire certaines vérités. Ça va être aussi quelque part un temps où des vérités vont se dire. Où il y aura des secrets qui vont être dévoilés. Et regardez bien cette carte. C'est la fée de la fin du monde. Si vous reprenez encore une fois, je vous invite à reprendre le tirage sur le sombre destin de Brigitte Macron, je retrouve exactement la même conclusion. On y voit sa fin. La fin du monde, la fin de son monde à elle, la fin de sa propre vie. On y retrouve exactement la même finalité. Alors ce n'est pas que ça me fait plaisir, je dirais que je ne suis pas dans un esprit de vengeance. La seule chose que je constate, c'est que les runes, exactement comme un autre tirage que vous voyez sous vos yeux, nous donnent une même finalité, une même conclusion. Et que c'est quelque chose où Brigitte Macron va être seule à traverser, et qu'un Emmanuel Macron qui sera totalement absent de cette fin pour la personne finalement qu'il a épousée. Alors voilà les amis, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous pour un prochain tirage. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, le pouce levé. Plus vous leverez le pouce sur les vidéos, plus ça aidera la chaîne. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous à très bientôt.